Bonjour à toutes et tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je commence directement avec l'article prévu pour cette vidéo. Cet article qui s'appelle « Boire à la source ». Le premier aspect est Pluton, Jupiter et Saturne, qui sont en conjonction. Alors, trois grands acteurs du zodiaque sont toujours en conjonction. Ce sont Pluton, Jupiter et Saturne. Chacun à sa façon nous a prescrit de, premièrement, formuler expressément ce que nous identifions comme un élément qui nous fait du tort, ce que nous estimons être obsolète, ce que nous voulons immédiatement éradiquer de notre vie, de notre environnement, les valeurs, principes, dogmes dans lesquels nous n'adhérons plus ou pas. En fait, reconnaître tout ce qui nous est maintenant totalement improductif, dénué de sens pour le style de vie que nous avons et que nous voulons améliorer. Deuxième point, reconsidérer nos choix, décisions et orientations passées. Étaient-elles dictées par des initiatives personnelles pour répondre à une harmonie intérieure, ou bien dictées par la crainte, un refus de prendre des responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, l'acceptation passive de règles ou systèmes de fonctionnement inadaptés. Répondre objectivement à ces questions, des grands thèmes, étapes de notre vie, au moment du grand basculement de l'histoire, il est important de prendre conscience que c'est notre histoire, avec un grand H, en tant qu'individu, 1 + 1 + 1, qui l'écrivons par nos choix et comportements. C'est nous qui détenons les clés du changement que nous voulons voir. Nous sommes une conscience individuée, douée de subjectivité au sein d'une conscience collective, 1 + 1 + 1, que nous devons ensemble orienter vers un nouveau mode de vie plus holistique, dont l'humain est le cœur du système. Troisième point, réorganiser notre style de vie, nos schémas de pensée, rebâtir la vision que nous avons de nous-mêmes, alors entre parenthèses, c'est-à-dire nous, dans notre microcosme social, et nous, et notre relation au macrocosme, je referme cette parenthèse. Allons-nous nous plier ou nous ouvrir, selon chacun, à de nouvelles disciplines? Au nom d'un sentiment d'insécurité, sommes-nous prêts d'accepter encore plus de restrictions et d'acceptation qu'on empiète encore plus sur notre intimité? Chacun, à notre manière, avons en partie répondu à toutes ces sollicitations. Consciemment ou non, avec Pluton, nous avons suivi des besoins vitaux pour nous sentir en phase avec des événements extérieurs. Tout ce que nous engrangeons maintenant n'est pas à prendre à la légère. Cela aura au moins, au plus court terme, des répercussions sur les 20 prochaines années, individuellement et collectivement. À plus long terme, eh bien, comptez au-delà sans y mettre de date butoir. C'est donc lourd de conséquences impactante sur nos vies quotidiennes. En ce jour de nouvelle lune du 22 mai 2020, ces trois planètes en conjonction sont toutes en rétrogradation et trigones à la nouvelle lune, c'est-à-dire le soleil et la lune en conjonction, en maison 2 et en maison 7. En gémeaux, pardon, et en maison 7. Les interpellations de ces trois planètes se font encore plus incisives et s'ancrent encore plus, alors je fais exprès d'employer les mêmes termes, et d'ailleurs je vais encore les réemployer, donc s'ancrent encore plus profondément en nous, afin de réorienter encore plus lucidement nos comportements, en tenant compte du fait que nos paradigmes doivent impérativement changer. Nous avons à réinventer un nouveau monde et dans cette ère du Verseau, les directives, les réalisations concrètes qui parviendront à s'amplifier, se répandre, ne viendra pas d'une quelconque entité hiérarchique supérieure dirigeante, mais de la base, c'est-à-dire chacun d'entre nous réunis, 1 plus 1 plus 1, pour ou vers des objectifs communs de concrétisation, avec l'humain comme individu, comme être vivant, non comme automate ou exécutant muet. Nous avons très peu de temps pour en définir les grandes lignes. Ce sont certes des planètes lentes, mais n'oublions pas qu'envisager, analyser et concrétiser, c'est du temps. Et vu la complexité de la tâche, nous ne pouvons pas nous contenter de répondre avec impulsivité sans réflexion préalable. Le temps n'est pas le même entre les deux. Donc, c'est du temps dans notre réalité qui passe très rapidement. L'opportunité est là et c'est le meilleur moment, nous indique le zodiaque. Ainsi, ces trois planètes nous, entre guillemets, parlent toujours de notre système de valeurs à modifier. La difficulté, c'est qu'elle réactive chez nous, entre guillemets, afin que nous puissions mieux les analyser, donc c'est entre parenthèses, pas entre guillemets, des émotions, des faits, des situations à réparer, à poursuivre. J'ai dit difficulté parce que généralement, ce sont des choses pesantes. Ce sont des charges qui s'ajoutent. Puisque le temps, c'est le temps de la rétrogradation. Ici, c'est un trigone à la nouvelle lune. Nous pourrons maintenant mettre en route ce que nous avons défini lors de la nouvelle lune du 23 avril dernier. Il s'agissait alors des réflexions et efforts continus que nous produisions pour préserver notre sécurité et bien-être vital. Des transformations et adaptations autour de règles strictes que nous nous sommes imposées. et plus près de nous, des assouplissements que nous avons décidés pour introduire plus de flexibilité à l'intérieur de la discipline que nous poursuivons. Il est temps maintenant de mettre nos résolutions plus authentiques et harmonieuses avec notre nouveau système de valeurs en marche. Il est temps de montrer notre capacité à nous relier aux forces de la nature avec Pluton, Jupiter, Saturne, sextile à Neptune, d'en comprendre et percevoir les effets dans notre vie. Alors, entre parenthèses, les effets, c'est-à-dire par coopération et non exploitation, sans se soucier des conséquences directes et indirectes sur nous, la nature elle-même, les populations, en fait tout l'écosystème. Et donc je referme cette parenthèse. De prendre conscience que nos petites actions, à notre petite échelle d'influence, engendrent, comme l'effet papillon, de très grands mouvements dynamiques qui nous dépassent. Prendre conscience que nous avons les moyens d'en modifier, d'en amoindrir, voire d'annihiler les effets nocifs. Dès la racine, si nous acceptons de changer notre regard et attitude en considérant que oui, nous pouvons avec 1 + 1 + 1 changer les choses. Un sextile, c'est juste s'adapter en disant oui et en agissant simplement et facilement. Rien à voir avec les aspects de confrontation et d'antagonisme. À ce propos, Neptune est carré à Mercure en conjonction à Vénus rétrograde. Qui dit rétrograde dit revalorisation. Toutes les connaissances que nous avons tirées de notre longue et approfondie réflexion avec Pluton, Saturne et Jupiter, et qui est encore en cours, doivent maintenant être assimilées et prendre du sens dans nos interactions quotidiennes. Nous devons leur donner une place traduisant intellectuellement nos actes et systèmes de pensée, toujours en cohérence avec les valeurs de Neptune. Vénus est en air. C'est une réévaluation que prendra la forme de nos actes créateurs. Nous devrons attacher beaucoup d'importance à notre façon de communiquer, d'échanger, de transmettre, de véhiculer un message, une information, tant dans l'attitude que l'intention. Mars, carré à la nouvelle lune, donc le soleil et la lune, c'est un aspect qui attire notre attention à avoir, d'un point de vue santé, plus de vigilance. Et sous un autre angle, c'est notre agressivité, notre excès de volonté, qui pourrait s'exprimer par des termes et attitudes qui dépassent notre pensée. Il peut tout simplement s'agir que nous éprouvons des difficultés à rompre avec certaines attitudes, certaines idées, où nous avons du mal à faire valoir notre parole. Ce que nous revendiquons n'est pas accepté. Uranus opposé à l'ascendant. Nous avons à utiliser nos connaissances et compétences vues précédemment pour répondre à l'urgence du moment, mais avec aussi la prospective d'une vision à plus long terme. Il y a un malaise, un obstacle, une incapacité à vaincre pour obtenir satisfaction. Nous avons à mettre en place avec Mars, trigone à la tête du dragon, et entre parenthèses trigone à l'ascendant et trigone donc à Mars, un processus destiné à soutenir nos actions, nos idées, notre influence. Rendez-vous au solstice d'été pour en voir les effets. C'est une nouvelle lune ainsi qu'une éclipse solaire. Il y a du changement dans l'air. Mars est aussi sextile à Uranus. C'est là une aide précieuse qui pourra soutenir notre décision, notre action pour implanter notre initiative. On le voit, cette nouvelle lune donne une place considérable à l'attention que nous devons porter dorénavant à nos actes et décisions, quel qu'en soit le degré initial. Nous devons boire à la source, que représente symboliquement Neptune, le vivant, sous toutes ses formes, connues et inconnues, coopérer, nous adapter, être un vivant subjectif, conscient et soucieux de soutenir et prolonger la vie dont nous sommes totalement dépendants. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo et merci pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour le premier quartier du 30 mai 2020. Pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo en ligne. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt!